Bonjour à tous, ici Cosmorev et on se retrouve pour ce troisième live de Pokémon Ranger Nuit sur Almia. Dans l'épisode précédent, nous avions commencé quelques quêtes de Ranger, plus quelques quêtes annexes. Enfin, quêtes annexes, je veux dire les trucs que les habitants nous donnent habituellement, quoi. Et on a notre Pokémon partenaire qui est Pachirisu. Donc nous allons pouvoir commencer tout de suite cet épisode. Alors, voyons voir ça. Oui, j'ai fini ma patrouille. Bien, il va falloir un moment pour que les choses se calment. Tu devras être reposé. Ok. Ça me fait plaisir de vous voir. Ah là 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 là. Alors, Cosmo, le repos t'a fait du bien? Nous venons tout juste de recevoir un message de la Fédération Ranger. Le prof récent est rentré du voyage et il va venir ici. Il vient d'examiner cet engin bizarre. Alors, par contre, à la fin de ce live, vous aurez la rediffusion de Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel, que j'ai fait hier, sur la Grande Expédition. Va dans la forêt de Verterre et assure-toi que le professeur ne s'est pas perdu. Très bien! Eh ben allons-y! C'est parti. Ça va chier, on va le retrouver ce gars. Alors, on va aller... la forêt de Verterre, c'est là-haut. Ah, le voilà! Je ne sais pas s'il a fait la blague de mettre une bannière à la falaise du panorama. Quelles que soient les raisons de sa présence, elle n'était pas bien solide. Une tape par-ci, un coup de pied par-là, et paf, un vrai château de cartes. Ça m'a juste fait un peu d'exercice. Enfin, le temps pour Raphaël de vouloir m'emmener dans les airs avec son étoraptor, elle sait parfaitement que l'idée même de voler me répugne. Elle aime bien me taquiner. Rien de tel pour la santé que de marcher à pied, j'ai horreur de me faire transporter. Enfin, quand je dis marche, je devrais plutôt dire course en marche, c'est trop lent. Le nouveau Pokémon Rumble est un vrai délice. Ouais, sincèrement, il est mieux que Pokémon Shuffle, faut dire les choses comme ça. Pokémon Shuffle, c'est trop répétitif, même si c'est un Candy Crush chagrin, un truc comme ça. Alors que Pokémon Rumble, même si c'est aussi répétitif parce qu'on refait des donjons, des trucs comme ça, c'est un peu dans ce truc, mais il est vraiment énorme. Il est vraiment bien fait, quoi. Demain soir, c'est les vacances. Ouais, il y en a qui ont de la chance. Moi, j'ai pas de vacances, moi. Ça m'empêchera pas de faire des vidéos et des lives. Qui êtes-vous avec votre uniforme de ranger? Pour moi, quand je fais des vidéos... En fait, pour moi, c'est simple. Même si je n'ai pas de vacances, faire des vidéos et faire des lives avec un beau soleil comme ça, pour moi, c'est comme si c'était les vacances après le travail. Donc voilà, c'est tout. Vous espionnez souvent ce que disent les vieillards comme moi. Oh, attends, je me souviens de toi, tu étais dans la journée stage. Alors, tu as obtenu le diplôme de l'école des rangers, et toi la ranger. Je suis prof pressant de la Fédération Ranger. Content de te voir. Et maintenant, en route à la base ranger et pas de course. Allez, viens là, papy. Voilà donc l'engin bizarre. Oh, attendez. J'ai déjà vu ça quelque part récemment. Oh, ça me revient. J'ai vu cet engin de ce genre venant d'ici, à Bonport. Oh, j'ai vu des âmes le transporter à Bonport. Le poids des machines semblait leur causer bien des difficultés. Je les avais prises dans la boîte aux lettres, mais il semble que je me sois trompé. Il faut voyager avec quelqu'un et enquêter à Bonport immédiatement. Vous avez compris, n'est-ce pas? Ceci est une mission d'urgence. Lohan, Cosmo, vous allez enquêter sur cet engin bizarre à mon port. Ouais, enfin une mission intéressante. Oh, Cosmo a pas de vacances. C'est pas grave. Bon port est à l'autre bout de la forêt. Mais en même temps, c'est ça, quand tu travailles, t'as pas de vacances. Hein. Il fait 36 degrés chez nous. Moi, ça va en Corse. Le temps est assez passable, donc... il fait pas chaud en ce moment dans ma chambre, donc ça va. Bon port est à l'autre forêt de la forêt des terres. Au sein de la ville, vous pourrez vous rendre à la station Ranger. Vous pouvez recharger vos captix. Ces engins bizarres ne sont que pas bienvenus dans une. Ces engins bizarres ne sont pas les bienvenus dans cette belle ville portuaire. Faites quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Ah. Allons-y. Oh là là, c'est super. Et au moins, les Pokémon peuvent nous suivre partout. Donc ça, c'est bien. C'est un avantage par rapport au premier opus. Parce que les premiers opus, pendant l'aventure principale, les Pokémon ne pouvaient pas nous suivre pendant. Toute la quête principale, ils étaient obligés de se casser parce qu'ils étaient dans la... Parce qu'ils pouvaient pas quitter leur zone. Mais bon, voilà. On va pas non plus... voilà, quoi. On va aller dans la ville, hein. Alors, ça, c'est quoi? Ça, j'avais déjà eu un Carabaf. Par contre, l'avantage, c'est que là, je peux visiter un peu plus ce côté de la forêt que j'avais pas visité quand j'étais... Enfin, en même temps, y a rien du tout, alors... Toujours pas mort, professeur pressant. Non, c'est bizarre qu'il soit toujours pas mort. Alors, oh, un Laporeille. Est-ce que j'en ai capturé un Laporeille? J'en avais déjà eu un. Lixie. Toi, je t'avais eu, je crois. Lixie, ouais. Les Apitrini, j'en ai déjà eu. Donc, j'ai pas besoin d'en recapturer. Par là.
Est-ce que toi, je t'avais capté. Tu as affronté Mega Alakazam dans Rumble. Mega Alakazam, ouais, j'ai combattu. Par contre, j'avoue, il était chaud, hein. Il était chaud, mais je l'ai eu, je l'ai battu. Mais sincèrement, ce jeu, il est le Pokémon Rumble, il est bien. Le seul défaut que je dirais peut-être à ce jeu Pokémon Rumble, le seul défaut, vraiment, le seul pour ma part, c'est le fait qu'on ne peut pas choisir que le choix du donjon où on va aller est aléatoire. Ce qui fait que quand nous, on va aller dans une autre zone qu'on n'a pas encore explorée, et bah des fois, on ne tombe pas sur cette zone-là et on est obligé de recommencer et de gâcher des rubis spéciales pour essayer d'avoir la chance d'aller dans la zone mystère, quoi. Surtout quand t'as 5 zones à explorer et que tu tombes pas sur la bonne, quoi. Ça, c'est un peu le truc un peu chiant, je trouve, du jeu, parce que le fait que ce soit aléatoire, voilà, quoi, on peut pas aller là où on a envie d'aller, là où on a vraiment envie d'aller, quoi. C'est dommage. Mais c'est le seul point négatif que je donne, hein. Après, le reste du jeu, sincèrement, il est juste énorme, hein. Moi, je suis un fan de Pokémon Rumble. Il est génial. Oh, la belle ville. Regarde, la vue n'est pas magnifique. Cet endroit s'appelle la falaise du panorama. J'adore crier ici. Par sans plomb! Quel, ça soulage. Vous voyez le chantier là-bas? Ils sont en train de construire une tour. Ils disent qu'elle symbolisera la paix à Almia. Le concours est organisé pour lui trouver un nom. Que pensez-vous de la tour de Echo? Oh, magnifique. Par contre, la ville a l'air énorme, hein, et belle. Alors par contre, par là, il y a plein de ces saloperies. Par contre... Ah, enfin, un Pokémon Feu. C'est clair, j'ai fait 3 fois le même niveau d'affilée. Regarde un peu vos commentaires sur ma page et en même temps, je vérifie... Ouais, mais vous avez raison aussi, hein. Vous avez raison. Ça va, je suis pas le seul à penser ça, donc ça va. Toi, est-ce que je t'ai capturé? Ouais, je t'ai déjà capturé, donc ça, c'est bien. Et, attends. Toi, je vais juste esquiver le temps. Ce qui est bien, c'est quand même le petit chemin est quand même bien, moi, je trouve. Là, on a un autre Lixi. Et toi, il y a toujours des Pokémon rares dans cette grotte. Oh, ça m'intéresse. Ah, je t'ai pas capturé, toi. Allez, viens là. Je vais te capturer. Voilà. Enfin, si, attends, je l'ai déjà capturé. J'ai déjà capturé celui-là. Si, si, je m'en souviens. J'en avais déjà capturé un. C'est pas grave. Par là, il y a quoi? Par là, non, on peut pas y aller. Ça, d'accord. Là, il y a quoi par là? Par là, normalement, c'est... Voilà, il y a rien du tout. Mustebouet, est-ce que je t'ai capturé, toi? Je t'ai déjà capturé, donc tu me sers à rien. Ah ah! Oh, Castorno, je t'ai pas capturé, toi. Alors. Ouais. Mais seulement, je vais te capturer. Voilà, laisse-toi faire. Je préfère regarder ton live que celui de Spectre. Pourquoi il fait quoi comme live en ce moment, Spectre? Parce que moi, il faut que je regarde son live de Ocarina of Time. Au pire, je regarderai la rediffusion. Vu que moi, je suis un grand fan de Ocarina of Time. Mais en même temps, je connais le jeu depuis très longtemps, donc... Dans cette grotte, il y aura... Dans cette grotte, il y aura, après la fin du jeu, il y aura Itron. C'est vrai? Ah bah ok, j'irai. Oh ouais, capture des trains. Oh, c'est trop bien, ça. Ça va être génial. Alors, voyons ça. Oh, ça y est, du parquet. Tu n'entends pas un bruit étrange? C'est très faible mais audible. Ce ne serait pas le même bruit que dans la grotte marine? Si c'est ça, les Pokémon sont en danger. Vite! Ah ouais, Itron. Oh... Quelle ville de prince. Bonjour les rangers, j'avais justement besoin de vous.
Je m'appelle Vasco, je suis responsable du pont basculant au nord de la ville, mais là n'est pas le problème. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui se passe avec les Pokémon ici? Ne le répétez pas, mais j'ai vu quelque chose de vraiment suspect. Des individus louches mettaient en place des sortes de boîtes aux lettres géantes. Juste après ça, les Pokémon de la ville sont devenus très bizarres. Croyez-moi, il y a un truc pas clair. Live de Pokémon Ruby Omega, Zelda à 18... Ah, Zelda à 18h, ouais, je le regarderai. Bon, je serai pas à 18h pendant le live, hein, mais en tout cas, je serai là vers 18h30, enfin, 19h. 19h, ouais. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Ah ouais, j'ai hâte de voir Ocarina of Time quand il va s'en sortir avec Chrono, ça va être génial. Même si je pense que Spectre connaît le jeu. Encore une chose importante, si l'énergie de ton cap... Mais en même temps, le live de Pokémon, ça m'intéressait pas trop, donc... Si l'énergie de ton captique c'est faible, va le recharger à la station Ranger, c'est ce bâtiment là. Salut Azelf! Une technicienne sera ravie de recharger ton captique. S'il y aura une borne de sauvegarde, n'oublie pas de t'en servir. Aïe, tous ces événements, le pont et le cadet de mes soucis. Comment puis-je me rendre utile ici? Ah, Nixon Fujiwara, ça fait plaisir de te voir. Par contre, je suis en train de parler depuis tout à l'heure à elle, sans, et j'ai même pas besoin, quoi. C'est pas une base en l'air, c'est une station de recharge. Oh, eh, attends, il y a plein de Pokémon que j'ai jamais capturé ici. Oh, viens, viens. Alors... Ok. Salut Pokémonster 1303. Désolé du retard, mais y'a pas de problème, c'est pas très grave ça. On s'en fout des retards. Y'a pas de problème, vous venez comme vous voulez, quand vous voulez, rien à foutre. Ah oui, il a pas perçu, mais au moins je t'ai enregistré, donc ça va. Allez hop, à toi. Allez, viens là. Encore un nouveau Pokémon. C'est génial. Super. On continue. Tu ne perçois pas mes sentiments d'amitié, mais je m'en fous, casse-toi. Dès que tu seras redevenu normal, je te capturerai pour de vrai. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est vraiment une très grande ville. Hein. Ah, on peut pas y aller. Il faut deux éclairs. Mais j'ai pas deux éclairs, donc je me casse. Ah ouais. Ah ouais, intéressant. Intéressant. Non, non, casse-toi, je peux même pas te capturer. Le temple Kusino est super beau. Ouais, sincèrement, il est magnifique. Non mais pour moi, c'est la meilleure partie du jeu. Ce jeu avec une musique Pokémon Star, la musique de cet endroit est juste magnifique. Enfin, Romain Angers. La musique du bois sommum est tellement magnifique, tellement magique, tellement inspiratrice. C'est de la poésie à l'état pur, quoi. En plus, la forêt est vraiment super beau. Ouais. Et désolé d'avoir bugué hier. Mais non, c'est pas grave, Pokémonster. J'ai eu un remplaçant, j'ai eu Azelf et Revilo pour la fin du live de Pokémon Donjon Mystère. Moi, je voulais venir hier, mais c'était trop tôt, je crois. C'est pas grave, t'auras la rediff, tu sais. T'auras la rediff. T'as battu Quatox, Cosmo? Quatox. Non, là je viens d'arriver dans la ville. Parc Loyo. Ah, mais tiens, voilà un. Ah. Oh. Alors, voyons voir ça. Il faut deux os, mais j'ai pas deux os. Par contre, il y a un Pijako que j'ai pas capturé. Donc on va le capturer. Oh. Wow, c'est bon. Et quel Quatox? On combat un Quatox déjà dans le jeu? C'est qui m'envoie un Quatox? Eh non, me spoilez pas, hein, je me souviens même plus du jeu, alors... Alors faut bien que j'essaie de m'en souvenir en regardant, en se jouant, quoi. Donc s'il vous plaît, ne me spoilez pas. Ça va faire déjà depuis sa sortie, quoi, depuis 2003 que j'y ai pas joué, donc ça va faire un très très gros bout de temps, j'ai pas vu de let's play ou d'autres trucs d'ici, donc
Ah, voilà le gardien du pont. Hello Ranger, ne vous inquiétez plus de rien. Tant que je n'abaisserai pas le pont, Vénor, c'est type louchillon nulle part. Je m'occupe de tout. Ouais, et s'ils arrivent dans ta cabine? T'as pas pensé à ça? Il est même pas surveillé. Ah, mais il y avait vraiment un live hier. Bah oui, Pokémon Donjon Mystère. Dans, sur ma chaîne, vous avez directement le lien, vous avez directement les événements à venir et normalement, vous deviez recevoir un message pour savoir que c'était bien aujourd'hui. Enfin, hier. La musique d'après le combat contre Croudon, elle est sublime à partir de maintenant. Donjon Mystère, ça va se percer. Oh, mais je sais, c'est pour ça que je voulais essayer de m'entraîner un peu. Parce que là, sinon, rien qu'à contre Croudon, j'ai eu beaucoup trop de mal. Ah, il m'en a fait voir de... Mais pourquoi je me casse? Il m'en a fait voir de toutes les couleurs, ce Pokémon-là. Enfin, ce faux Pokémon, quoi. Parce que c'était même pas un vrai, quoi. C'était juste une illusion. Je me suis fait battre par une illusion de Groudon, quoi. Bah, même qu'à la fin du jeu, il y a un boss. Est-ce que je t'ai déjà capturé, toi? Non, même pas. Salut, Mister Jaja! Alors, voyons ça. Ah, tu m'as rien lancé. Mais c'est tant pis pour toi. Ah, je me rappelle que dans Pokémon Ranger 1, les Pokémon électriques, on les capturait en 3 tours. Enfin, même pas 3 tours, alors que là, ils sont plus longs à capturer. J'ai raté la mise à jour. Une mise à jour, comment ça? Cosmorage sur Groudon hier. Ah, mais ouais, c'était énorme. C'était énorme, mes amis. Hein. Deux survoltages. Mais j'ai pas de Pokémon électrique. J'ai quoi comme Pokémon? Comment on regarde? Comment on chante? Pokémon. Comment on... Non, mais je sais pas, il faut où il y a un Pokémon. Ouais, c'est pour ça que je suis venu today, mais hier j'ai pas vu le live. Si c'était avant 15h, c'est normal, sinon c'est que j'étais trop occupé à brûler une des maisons pour le voir. Alors Nixon Fujigawa, le live de Pokémon Donjon Mystère, si je me souviens bien, c'était à c'était quand? C'était hier. Hier je commençais à 15h. J'avais l'air, c'était à 15h30. Alors, voyons voir par là, parce que je suis sûr que je peux trouver des Pokémon. Mais c'est bizarre, pourquoi je trouve pas de Pokémon ici? Ah, c'est horrible! Je sais pas où je peux trouver d'autres Pokémon. Où? Par là, non, c'est le pont. Et y'a rien. Faut que j'aille où? Où y'a des Pokémon? Où y'a des Pokémon? Où y'a des Pokémon? Azef, j'ai tes vidéos, elles sont géniales. Wouhou! Putain, je sais même pas où aller. Survoltage, j'ai pas de Pokémon électrique. Ah, oh, je dois aller où? Ah, oh non, c'est horrible. Y'a pas des maisons ouvertes? J'ai même pas visité les maisons. Ah, non. Mais je dois aller où? Je peux même pas capturer un seul Pokémon ici. Ils sont envoûtés, je fais quoi, moi? Y'a même pas de pont de libre. Quand je fais, moi? Oh là 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 là, je sais même pas où faut aller. Attends, je sais pas aller. Ah si, de ce côté c'est bloqué aussi. Oh là là, mais faut que j'aille où? Oh, si vous pouvez m'aider s'il vous plaît, parce que là je sais même pas ce qu'il faut faire. En plus, je peux même pas regarder mes Pokémon. Non mais attendez, c'est fou. Ah voilà. Charge. Mister Jaja, je cherche pas à Zelf non plus. Non mais faut que je prenne quoi, moi? Là il y a un jet d'eau, ça sera jamais suffisant. Hein. C'est pas suffisant, ça. Toi, tu fais quoi, toi? Charge, m'en fous. Par là, y'a quoi? Je sais même pas quel Pokémon il me faut, toi. Survoltage 1, mais non. Je dois faire quoi? Toi, broyage 1, je m'en fous. Détruit la boîte aux lettres rouges avec Castorno. Quoi? Castorno peut le détruire? Castorno. Jado 2. Ah! J'ai oublié! Non! Steph a dit que tu dois monter et à gauche il y aura des Pokémon non possédés.
Sérieux, faut vraiment faire ça. Non, lui dites pas, il voulait pas qu'on le spoil. Non, me spoilez pas, me spoilez pas, me spoilez pas. Vous pouvez m'aider en me disant ce qu'il faut faire parce que là je suis un peu perdu. Mais me spoilez pas sur les événements qui vont se déclencher. Alors on va essayer de monter sur la gauche. Comme vous m'avez demandé. Et on va détruire cette boîte aux lettres de la poste. Je pourrais participer à un futur live Pokémon dans le mystère. Genre l'ultime live. Et t'inquiète, à partir de là j'aurai une bonne connexion. J'espère que t'auras une bonne connexion, mais je verrai ça. Ah bah voilà, je verrai ça. Alors, mange Dixie. Non, je bouffe pas les Pokémon, moi. Moi, je les respecte. C'est pas la même chose. Alors, c'est bon. Les Pokémon ont encore l'air d'être hypnotisés. Combien de ces machines y a-t-il? Oh. Ah, le thème. C'est... Oh, le thème. Ah, c'est Groove. Wouh! Putain, mais pourquoi les musiques de team ont toujours des musiques trop classes? C'est trop bien! Elles sont, les musiques des teams sont encore plus classes que les musiques dans les musiques que les teams des musiques Pokémon. Enfin, ça y est, tous les Gigalatex sont en place. Pourquoi les Gigalatex sont aussi lourds? On doit s'y mettre à 4 pour les porter. Il aurait quand même pu penser à ceux qui allaient les porter. Ah, oh, j'adore. Ah, en tout cas, ça lag pas chez nous, hein. Le jeu, il lag pas du tout. Je regarde sur mon deuxième ordinateur, moi. Mon ordinateur... mon deuxième ordinateur qui permet de tester la connexion vidéo est très... marche très 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 bien. Il n'y a aucun lag. C'est un truc de ouf. Ah, viens là, 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 allez. Oh, vitesse extrême. Wouhou. J'en fais trembler mon ordinateur et ma webcam. Allez. Ok, on l'a capturé. On va pouvoir retourner à faire des allers-retours quand même, c'est un peu chiant. Eh bon, si c'est le seul Pokémon qui permet de sauver un peu. Bah alors. Oh, hey, tu vas pas faire tes caprices, hein. Ok. Bing. Ah. Génial. Je vous tire mon chapeau, Ranger. Je vais m'occuper de ces types louches. J'ai commencé à lever le pont Vémor qui se trouve au nord. Fouad Vasco, personne ne se fuira d'ici. Eh bien, on ne s'ennuie pas ici en ce moment. Je vais vous faire une promesse. Je vais leur mettre la main dessus et je vous livrerai ceci sonné bien serré. Cadeau pour vous. Ok. Ce Vasco, il a de bonnes intentions, mais. Ah, voilà. Au moins, cette partie de la ville est redevenue normale. Non, laisse-moi toi. Alors, voyons voir ça. On va recapturer un Castorno. Très important. On va se le recapturer. Allez, vitesse extrême. Non. Vitesse extrême. Ah, mon arme, ma pauvre 3DS, je m'en fous. Je connaissais déjà les risques quand c'était quand j'utilise Pokémon Ranger sur ma 3DS. Alors. Cosmo. Ah, 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 ah. Arrêtez de spammer Léo. Et moi, ah, ah, ah. Alors toi, on va te. Pousse-toi. Castorno. Ah non, c'est survoltage. Ah ouais, mais je peux pas. Parce que lui là. Survoltage x2, bah justement j'aurais besoin de lui, mais le problème c'est qu'il est hypnotisé. Donc pour l'instant, je ne peux aller qu'à un seul endroit. Par contre, toi, t'as... T'es pas capturé. Ah bah allez, viens, on va remédier à cela. Je prends... Tu prends de la drogue, Pokémonster. Alors, tac, ça...
c'est bon. Tac, donc ça c'est bon. Alors 23, donc ça c'est bien. Alors vous avez trop de Pokémon amis. Par contre, brûlure 2, ça peut servir. Toi, tu ne me serviras pas. Donc tu vas pouvoir retourner t'amuser, t'éclater sur ton champ tranquille. Et là, on va pouvoir continuer. Donc voyons voir ça. Alors donc, on va passer en haut. Par là. Et on va voir ce qu'il y a. Donc là, oh, il y a plein de maisons ici. Mais c'est dommage, on peut pas les visiter. Pourquoi c'est une... Ah, une verte. Donc... Eh, regarde, cet engin n'est pas de la même couleur, c'est un autre genre. D'accord, mais d'abord on va visiter. Ah, on peut pas... Ah ouais... Et par contre, c'est une grande ville. Ah, par contre, là, il y a des Pokémon ici, donc ça, c'est bien. Ils ne sont pas sûrs, je ne bougerai pas de chez moi. Bon. Belle maison, et j'ai bien envie de capturer ce Pokémon. Alors, on va y voir. Alors, je me demande, par contre, qu'est-ce qu'il faudra pour détruire ces vertes. On ne le répétera jamais assez, vive les Yoshi. Ah, merde. Merde, 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 merde. Donc ça, c'est pas grave, au moins, je l'ai capturé, donc ça, c'est vraiment bien. Ouais, là, c'est vraiment bien. Ok. Alors, on va enlever... non, Castor d'eau, je vais le garder. Peut-être que j'aurai encore besoin de toi. Torterra, j'aurai plus besoin de toi. Donc, on va pouvoir continuer, voyons voir ça. Allons voir de quoi ces trucs verts peuvent être détruits. Et par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a plein de Pokémon que je n'ai jamais combattu. C'est bien, des Pokémon variés, c'est bien. Désolé, les flics arrivent chez toi. Oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, regarde, je te capture. Ok, donc 23, 25. Et on monte de niveau. C'est bien. Plus de puissance, plus de force. On est les meilleurs. Bah oui, je sais qu'il peut pas être mon ami. Parce qu'il souffre. Alors ça, déjà... Drabi, est-ce que je t'ai eu, toi? Non, je t'ai pas eu. Alors viens. Allez, on va te capturer. Oh les cœurs, les amis. Allez. Wouhou. Non, t'as pas le temps de lancer une deuxième attaque que je t'ai déjà. Salut Julian Soria, comment ça va? 22, 25, rang A, et voilà. Vive les Yoshi, y'a pas de quoi. Alors, voyons voir de quoi les verts ont besoin. Ah, mais j'ai ça moi. Super. C'est génial. Alors je regarde vos commentaires. Alors par... Tu sais même pas où j'habite. Par contre, évite Mister Lola de faire des spams avec les cœurs et avec les trucs parce que sincèrement, c'est un peu chiant ça aussi. Tu sais même pas où j'habite, ça je m'en fous. I love you, là ça devient bizarre. As-tu reçu mon cadeau Cosmo? Alors, non, Oraculum Geode, j'ai pas encore reçu ton cadeau. Ça me fait vraiment plaisir que tu m'offres quelque chose. Mais t'inquiète pas, je ferai un déballage. Le déballage, je ferai sur Skype. Enfin, le déballage du colis, je ferai sur Skype, mais la vidéo de remerciement avec le cadeau, je le ferai sur YouTube en vidéo spéciale. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, j'ai hâte de savoir ce que tu m'as offert. Parce que je ne sais pas du tout ce que tu m'as offert, alors voilà, quoi. Mais je te remercie vraiment. Alors, l'engin a été détruit. Merci Caninos, ça y est, tour devient normal. Au revoir. Ok, ça va mieux ici.
Oh, tiens, les voilà. Nous avons perdu le signal de plusieurs gigalethèques et nous avons trouvé des rangers. Ça y est, ils mettent en action. Ils pulvérisent nos gigalethèques, nous devons former le patron. Ah ah, mais ça, qu'est-ce que c'est? Gigalethèque? Je suis sûr d'avoir entendu Gigalethèque. Tu crois que c'est le nom de ces engins bizarres? Qui préparait ces individus suspects? Suivons-les. Oui, mais d'abord, je voudrais voir ce que dit. Je voudrais aller voir ce qu'il y a en haut. Intéressant. Rien. Bon. Je croyais qu'il y avait un Pokémon ou quelque chose, mais non, rien. Bon, Mister Jaja et Pokémonster, arrêtez de vous envoyer des messages assez. Que j'ai l'impression de voir assez mauvais, même si c'est du XD. J'avoue, c'est pas très sympa de dire des choses comme ça, même si c'est, je pense, pour rire. Mais bon, là, j'avoue, c'est un peu. Alors faites attention avec vos propos et avec tout ça, quoi. Enfin! Oh, une belle maison. Par contre, j'ai rien pour casser la grille, donc ça, c'est un peu saoulant. Est-ce qu'il a le droit de spammer en chantant les paroles de la Reine des Neiges? Ça dépend. Si c'est spammé, ça reste toujours mauvais. En chantant la Reine des Neiges, donc en chantant libérer, délivrer, ça devient très bizarre. Mais enfin. Oh! Attends. Ah! Justement, j'avais besoin de toi. Allez, tac tac tac, viens là. Voilà, c'est capturé. Donc là, on a capturé un super Pokémon. Donc là, c'est super. Ok. Donc là, on va pouvoir ouvrir la porte qui était en bas. Donc ça, c'est super. Et ensuite, on va en recapturer un parce que je crois que j'avais vu une porte similaire à côté. Donc voilà, toi, tu m'ouvres ça. Tac. Voilà, tu ouvres la porte. Et voilà. Personnellement, j'adore les portes comme ça, moi. J'adore. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir en recapturer un autre. Ok. Donc ça, c'est bon. Là, on va en recapturer un, là. Attention à vos propos. Donnez-leur 5 fruits et légumes par jour. Ah, Nixon Fujiwara. Toujours le mot pour rire. Ah, tu m'as pas lancé l'attaque. C'est pas grave, je t'ai capturé. Ah. Azelf toujours à l'affût. C'est excellent. Ok, donc là on va pouvoir ce qu'il voit. En plus, c'est une grande ville hein, quand même. Hein. Ça, c'est bien. Iiii. Oh là. Aïe. Vasco! Tout va bien, Mélodie. Tu n'as rien à craindre, Vasco à la rescousse. Oups, flûte. Super saut, Vasco. Tu n'as rien, Mélodie. Tu n'as rien à craindre. Mais pourquoi ces choses sont-elles subitement attaquées? Enfin, maintenant, tu te retrouves coincé, tu peux pas faire de grands sauts. Hein. J'ai plongé au cœur de l'action, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Oh là là, on doit les aider vite. Alors, il faut que je retrouve un Pokémon de feu. Il y en avait un à côté, mais. Je suis un kikou, lol, trop lololololol. S'il vous plaît, dites à mon petit frère qu'il ne doit pas sortir maintenant. J'ai envie d'aller jouer dehors. Ah, t'attendras alors. Par là, y'a quoi? Alors là, y'a. Ouais, de toute façon, je peux même pas les capturer. Par contre, là, y'a des maisons, donc ça c'est cool. Au moins, c'est une ville visitable. Mais par contre, y'a pas de. Y'en a combien? Y'en a un. Par là, y'a quoi? Par là, il y a un castorneau. Il y a autre chose. Là, une autre maison. Donc là, de toute façon, on peut pas la capturer. La sœur de Isaac.
Donc par là, bah de toute façon je peux pas capturer un seul Pokémon ici. Parce que là voilà je me retrouve avec ça. Et il faut que je capture un Pokémon qui connaisse quoi? Attends. C'était un Pokémon qui connaisse quoi? Survoltage, survoltage ouais. J'ai fait un cauchemar, fête nuit, tu as arrêté YouTube. Alors déjà, tu as fait plein de fautes d'orthographe, Pokémon Monster. Oh mais j'ai Jean-Michel le drogué. Hein. Mais je n'arrêterai jamais YouTube, ça c'est sûr et certain. Même à 50 ans, même à 60 ans, même si vous me voyez vieux, vous me verrez quand même sur les lives. Alors j'imagine, à 80 ans, le papy il a toujours sur le live. Aujourd'hui on va faire le let's play de Pokémon. Alors aujourd'hui nous allons capturer ce Pokémon. Oh je n'ai plus mes 30, je n'ai plus mes 25 printemps. Je me souviens qu'avant j'arrivais à faire deux boucles en 3 secondes. Maintenant je fais une boucle en 1 minute. Enfin voilà, même à 80 ans, même dans ma tombe, je continuerai quoi. Non, je déconne. Pas dans ma tombe, je serais déjà mort et je serais déjà bien heureux. Mais en tout cas, même vieux, je continuerai. Et c'est tout. Alors, là, on a ce Pokémon-là qui est pas mal. Voilà. Un mot pour ton futur let's play de Nom Mystère, je pourrais. Pour ton futur let's play de Donjon Mystère, je pourrais les prêter, je les ai tous. Je pourrais les prêter. Bah moi j'ai la version 3DS. J'ai la version 3DS. J'ai la version j'ai la version Explorateur du Ciel, donc ça c'est le 3, c'est le 2, et j'ai Pokémon Explorateur, non c'est pas Explorateur, je veux dire Donjon Mystère, équipe de secours rouge, équipe de secours rouge, ouais. Zelvac avait dit pareil, mais il a quitté YouTube. Ah ouais, mais moi je m'en fous, je quitterai jamais YouTube. Moi c'est sûr et certain, moi les vidéos c'est ce qui me passionne le plus, c'est ce qui me donne vraiment quelque chose de. C'est ce qui me détend vraiment le plus et pour rien au monde je n'arrêterai quoi. Alors là, vous allez voir, je vais vous prouver en plus que je ne quitterai jamais YouTube. Moi de toute façon, quand je promets un truc, je l'ai tout. Moi je quand je promets quelque chose, vous pouvez être sûr que je dis toujours la vérité, que je vais pas laisser tomber mais on. Que je vais pas laisser mes. Je vais pas laisser tomber mes abonnés. Hein. Le seul moment où je laisserai tomber mes abonnés, c'est le jour où je serai mort. Parce que je pourrais plus faire je pourrais plus être sur YouTube, c'est tout. Hein. Mais bon. C'est vrai que faire des vidéos. Un vieux de 80 ans qui fait des vidéos sur YouTube pour un public jeune, ça risque d'être un peu glauque, non, les pauvres. Enfin. Je dis ça. Les conneries que je sors, quoi, c'est pas possible. Alors, ouais, mais faut que je recapture plein de Pokémon de feu, moi. Bon, on va essayer de recapturer. Mais par contre, y a pas un Pokémon. J'en avais vu un en plus. Attends, non, pas de Rabi. Pas Pijako. Pijako, j'en ai capturé un ou pas? Ouais, j'en avais déjà capturé un. Mais là, je devrais capturer un Pokémon qui ait des capacités de type électrique. Ah, mais attends, survoltage. Ah, mais c'est toi! Allez hop! Viens là! Après Papy Grenier, voilà Papy Cosmo. Sauf que là je serai réellement Papy. Pas comme joueur du grenier où c'est juste un déguisement. Moi ça sera réellement que je serai Papy. Non je déconne, trop glauque. Ah. Je pourrais faire une vidéo avec Jésus. Non, ça sera pas possible parce que il a tellement de choses plus intéressantes à faire que faire une vidéo. Mais j'aime pas parler de religion ou de choses comme ça sur internet. Parce que sinon on va me critiquer, on va me dire ouais, mais pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ça, et j'ai pas envie d'avoir des soucis là-dessus quoi. Vous n'êtes pas blessé? Je ne sais pas quoi dire. J'ai vu des gens aller au port, ils avaient l'air méchants. Ils sont allés vers le port?
Suivons-les. L'embarcadère est du côté est de mon port. Vous avez Mélodie. Vous savez, Mélodie a un grand frère. Son nom est Isaac. Mais il ne peut pas rentrer chez lui souvent car il croule sous le travail. C'est pourquoi je suis un peu comme un grand frère pour Mélodie. Je vais la ramener chez elle. Merci de votre aide. Le live de Ocarina of Time commence à commencer avec Spike. Ouais, ça y est, il a déjà commencé. Bah, normalement, moi, je terminerai dans 30 minutes. Si j'aurai le temps. De toute façon, le début, je m'intéresse pas trop au début, donc... mais je suivrai son live dès que j'aurai terminé, dans 30 minutes, je pense. Mister Jaja, qu'est-ce que j'ai dit? Arrête de spammer les trucs comme ça, sinon je te vire de la vidéo, hein. J'y vais, les mecs. Salut, Azelf. Mais même, Mister Jaja, là, ça se fait pas, là. Eh oh. Non, mais sérieux, quoi. Pas de spammer ou de kikou, ici. Alors. Donc là, il me faut un Pokémon de type électrique. Donc, survoltage x2, si je veux pouvoir enfin avancer par là. Donc, on va essayer d'en capturer un. Non, pas mieux que NT, hein. NT est bien, est 100 fois mieux que moi. Et 1 million de fois mieux que moi, attends. Ah non, là, Pokémon Star, là, c'est... Je sais pas, c'est quoi ce que tu viens de sortir, c'est flatteur, mais... Mais voilà, quoi, je serai jamais meilleur que NT, ça c'est impossible, hein. NT sera toujours le meilleur. Même si je le dépassais en nombre d'abonnés, pour moi, ça restera quand même le meilleur, parce que sincèrement, ces vidéos sont vraiment... vraiment géniaux, quoi. Difficile de faire mieux, quoi. Bon, alors, tcho les tubeurs. Alors, par là, il y a quoi? Je voulais capturer un... Ah, mais attends, je crois que je vais en trouver un de ce côté-là. Ouais. Non, pas toi. C'est clair, Cosmo... est mieux que NT. Oh là! Oh là, c'est quoi tous ces messages que je reçois que je suis mieux que NT? Oh non, eh oh! Mais non, mais sincèrement, c'est flatteur, c'est super sympa! C'est super sympa, sincèrement, je sais pas quoi dire à ce niveau-là, mais bon. J'avoue que vous poussez un peu le bouchon trop haut, quoi. Bon, en tout cas, c'est super gentil, Pokémon Star et Romain Ogier. C'est vraiment super sympa de votre part. Merci, hein. Putain, mais sérieux, quoi. T'es mieux qu'un T, t'es supérieur à un T. Non, mais sérieux. Avant tout, on est tous liés par le jeu, quoi. Ah. Bon bah re du coup, re-salut Azelf. Oh mais sérieux Azelf, y'en a qui disent que je suis mieux que NT, c'est n'importe quoi. Là je reçois des poids sur les épaules, je me dis putain. Oh tiens. Oh mais sérieux, c'est super sympa ce qu'ils me disent, mais bon. Alors là on a quoi? Par là y'a quoi? Oh. Ah ouais, ça c'est bien ça, mais pour l'instant, je sais pas si ça va servir déjà. Alors, voyons voir ça. Jeune Padawan. Ah bah voilà, tu vois. Merci Pokémon Star parce que tu dis jeune Padawan alors que NT est le maître. Comparé à moi, quoi. Je suis l'apprenti. Tous les mois, Cosmo est mieux que NT. En plus avec la musique ça colle bien. D'affreux rangers se baladent et pulvérisent les gigalétech. Tout ça c'est parce qu'il m'a fallu un temps fou pour les installer. C'est pas de notre faute s'ils sont si lourds. Alors par contre je sais plus comment s'appelle cette team. Enfin ça va, l'expérience nous a permis de rassembler les données. On devrait quitter cette gentille petite ville avant de s'attirer des ennuis inutiles. Une expérience? Quelle expérience? Qu'allons-nous faire? Nous devons agir. Tentons le tout pour le tout et allons leur demander. On y va? Ok. Excusez-nous, mais qui êtes-vous? Pouvez-vous nous expliquer ce que sont exactement ces engins et cette expérience dont vous parliez? Espèce de vandale!
Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, nos gigalettec? Montrez un peu de respect. Vous voulez savoir ce qui nous sommes? Nous sommes l'équipe Sombrero. Ah, son... Oh, le jeu de mots. Sombrero. Ah oui, mais attends, j'ai pas de sombrero, là, sur la tête. C'était la vanne de merde. Ah, ben, vous, qui nous sommes l'équipe Sombrero, une organisation criminelle qui rêve de contrôler le monde. Nous sommes venus à bon port pour tester le Gigalettech. Nous voulions voir si le Gigalettech nous permettrait de transformer les Pokémon en marionnettes. Mais pourquoi tu racontes ça? Oh non, je voulais juste être poli. Ils ont abusé de ma gentillesse. Je vais tout leur faire oublier avec une dose de ma persuasion, de mon antipathie. L'équipe Ratata à l'attaque! Le méchant, on dirait que le rival dans... Oh, je suis... Firolike, je suis en live aussi. Wouhou! Oh, la musique! Même si je préférais quand même la musique de Ranger 1. Mais sinon, elle est bien, celle-là. La musique... J'ai battu Rivilo sur Smash Bros et Cosmo et Biocunty. Ah, mais arrêtez avec Biocunty! Arrêtez de me spammer ça! Plage à Cyprien. Ah oui, je te préfère à Cyprien. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Oh. En plus, je fais un let's play Eragold. Allez, Quatox! Oh! Ah, ça doit être le boss que vous m'avez parlé, non? Ah ouais, c'est un boss. Quatox! Oh! Viens là! Viens là! Mais non! Ah! Allez, vas-y, balance ton spray! Non, même pas! Ok! Ouais! Ah, n'empêche, ils font des jeux de mots aussi gargantuesques que les miens. Nixon, on peut avoir un petit extrait. S'ils rêvent de contrôler le monde, leurs rêves vont être réalisés. Non, je ne pense pas. Non, non, parce que je suis là, moi, je vais les empêcher, justement. Et vous êtes là pour m'aider, les abonnés. Vous êtes là pour m'aider à les battre. Parce qu'ensemble, en communauté, on est meilleur. Ça suffit, ces sbires me font perdre mon temps. Battons en retraite. Ramenez le Gigalettech à la planque, il est lourd, mais pas autant que la sanction qui vous attend après cette défaite. Oh. Cosmo Rêve, the king de YouTube. Non, arrêtez de dire ça. Je sens que la Cosmo Rêve va arriver. Mais oui, mais on n'arrête pas de me donner des. On n'arrête pas de me donner des trucs sympas. Dans Ranger 3, quand tu combats en légendaire, tu as un icône de Pokémon trop swag avant le combat. Ouais, ça c'est bien, ça c'est vrai. Qui pouvait se douter qu'ils étaient venus de la mer? Ça c'est bien, c'est vrai que c'est bien sympa ce moment-là. J'ai levé le pont pour rien. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un nageur hors pair. Et si je puis me permettre, je vais les rattraper, les ramener bateaux inclus et leur offrir sur un plateau. Je m'occupe de tout. Hein? Super Sauvasco! Wouhou! Noie-toi! 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 Il a plongé avec son sandal entre les dents. Tu crois qu'on devrait s'inquiéter? Bah, je pense. S'ils sont partis loin, je pense qu'il va se noyer. Donc voilà, c'est pas mon problème maintenant. Les Pokémon se sont calmés, alors je suis sorti pêcher. Et quelle est la première chose que je vois? Vasco, sandales en main, dans, nageant dans la mer. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Pokémon Sœur, je pensais à ça. Il est parti à la poursuite de ce voyou et se sont enfuis en bateau. Je suis un peu inquiète. Attends, je regarde les commentaires. Oh, je commence. Non, j'étais pas en mode Cosmorage, celui-là. Je m'occupe à comprendre, je m'occupe de tout. C'est bien ça, rien d'étonnant, laissez-moi faire. C'est un bon nageur, mais il rattrapera pas le moins de bateau. Il sera bientôt de retour. Ce n'est pas possible. Mon port est connu pour son air marin et pour Vasco. D'accord, c'est noté. Je suis contente que Vasco soit revenu sain et sauf. Je dois avouer que je n'ai encore jamais participé à une mission aussi dangereuse. Nous devons faire un rapport à la base Rangers, tu ne penses pas? Rentrons à Verteville et renvoyons leur avant-programme au chemin.
Cosmo, nous avons tous compris, tu es un Illuminati. C'est quoi encore cette connerie là? N'importe quoi. Allez, on va pouvoir continuer, c'est parti. Ratatak, est-ce que je t'ai capturé toi? Même pas? On va te capturer. Assel, je veux bien, mais si tu fais un jeu de mots extrait pour te faire rire, c'est... Cosmo... Ah, primo, jamais je ne serai un Illuminati. C'est une organisation de merde. Et voilà. Et voilà quoi, je m'en fous des Illuminati, j'en ai rien à foutre d'eux. Vive le meilleur youtubeur au monde, Cosmorev. La prochaine fois, vous voulez quoi? Que je fasse le prochain live avec une couronne sur la tête ou quoi? Et un sceptre avec une cape. Oh non, le truc lol quoi. Salut, je suis le maître Cosmo. Alors, toi, est-ce que je t'ai capturé par contre? Non, même pas. Alors, toi, je vais te capturer, je vais t'ajouter à ma collection. Ah, oh quoi? Mais ça m'a rien enlevé, pourquoi? Pourquoi ça m'a rien enlevé? J'ai pas compris là. Alors, donc là, c'est bon. Donc, on va pouvoir remporter. Voilà. 9 points d'expérience. Donc, ça, c'est super. Donc, là, on va pouvoir aller. On va pouvoir partir à la base Ranger de Verteville. Ouais, mais faut que je me retape tout le chemin par contre. Donc, ça, c'est un peu énervant. Ça y est, invasion d'Illuminati, je l'avais dit. Cosmo King. Ah, tiens, un défi. Alors, Ranger, regardez dans quel état je suis. Je dégouline de transpiration et je suis exténué. Par là, dans la forêt, des types louches ont jeté des caisses. Elles bloquent le passage et défigurent le paysage. J'ai commencé par dégager quelques-unes, mais je n'en peux plus. Vous pourriez prendre le relais? Ok. C'est vrai, fantastique, il ne reste que deux caisses. Ok, j'accepte la caisse. Alors, voyons voir ça. Donc, il y a des caisses dans le chemin. Donc, on va essayer de les trouver hein, dans la forêt. Coucou, Revilo! Là, c'est un Pokémon que j'ai déjà. Donc, ça, c'est super. Ah, voilà. Alors, il faut quoi? Il faut broyage de niveau 1. Et moi, j'ai pas de broyage de niveau 1. Donc, je devrais en trouver quelque part ici. Toi, tu fais quoi? Est-ce que t'as broyage ou pas? Ah, mais je t'ai même pas capturé. Bah, allez, viens. Je suis sûr. Je suis sûr, le roi des Pokémon Rumble, c'est toi. Hop, allez, hop, c'est bon, je t'ai capturé. Donc, 17, ça c'est bien. Alors, par contre, est-ce que t'as broyage ou pas? Bah, t'as broyage 2, bah, c'est parfait. J'ai plus besoin de Castorno. Il me faut un deuxième dans ce cas-là. Parce que j'ai trouvé deux caisses. Allez, viens avec moi. Ok, on va te capturer. Voilà, éviter. Viens là, viens là. Mais non, viens là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Arrêtez. Ouais, ça va. Déjà 57 minutes de live. Waouh. On ne parle pas de politique ici, Mister Jaja, j'aime pas parler de politique en plus. Je déteste ça. Toujours déprimant. Là, je vais détruire des petites caisses. Et je vais gagner plein de trucs dans cette mission. Là, là. Alors, il nous reste une caisse, donc on va la détruire. Non, j'ai pas envie d'affronter. Donc toi j'étais capturé. Donc ouais Azel t'as raison, stop les majuscules. Eh attends,
Ah non, d'accord, j'avais cru que c'était une grotte. J'avais cru que c'était une grotte. Donc ça, on va le détruire. Et là, normalement, on a rempli la mission. Donc voilà, on va aller voir l'autre mec. Ah, super. Illuminati, c'est une organisation secrète qui veulent maîtriser le monde. Leurs adversaires sont les Anonymous qui sont là pour aider les gens afin de... Enfin, je crois... qui veulent maîtriser le monde, leurs adversaires sont les Anonymous qui sont là pour aider les gens. Merci Azelf pour cette superbe chose. Je préfère être un Anonymous qu'un Illuminati. C'est un peu comme si on comparait les assassins avec avec les Templiers dans Assassin's Creed. Merci Ranger. Vous avez contribué à préserver la beauté de cette forêt. Alors, on va pouvoir récupérer notre récompense. Donc, qu'est-ce que c'est? On a reçu quoi? La défense insecte. Super. Et voilà. Ça, c'est vraiment bien. Plus on a de bonus comme ça, plus c'est intéressant. Alors par contre, je voulais voir parce que le mec avait ouvert la porte d'accès au pont. Il faut que j'aille voir ce qu'il y a de ce côté-là. On va y aller. On va y voir. Alors dès que j'aurai terminé ce live, je posterai l'épisode de Donjon Mystère que je n'ai pas pu poster hier. Et le mec n'avait pas ouvert la porte Non, même pas. Maintenant, passons à la météo. Tu crois que porter un Wallord, ça fait mal? Porter un Wallord? Ah bah bonne chance, hein. Je pense que tu seras mort, hein, après ça, hein. Parce que je pense que Wallord t'écrase, hein. Ah, y'a pas de problème, hein. Allez, on va pouvoir repartir en ville. Sauf si un autre défi nous attend en route. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres gens avec d'autres défis? Je ne sais pas. Attends, il y avait un mec de ce côté, je crois. Non, un peu plus haut. Un peu plus haut. De ce côté-là, il y a quelqu'un. On va aller voir ça. Voilà. Est-ce que... Non, t'as pas de défi. Bon. Ok. Par contre, je veux juste vérifier un truc. Ok. Donc ça, d'accord. Ah, ils ont pas de défi? Mais pourquoi personne n'a de défi à me donner là? Allez, un petit truc. Oh! Eh, eh, non, 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 eh oh! Un jet d'eau! Est-ce que t'as un jet d'eau? Est-ce que j'ai un jet d'eau? Eh, hey, j'ai un jet d'eau, Goli, c'est bien. Ah. Si Cosmo, le grand youtubeur, est un Anonymous, alors moi aussi. Voilà, hop, capturé. Azef, c'est l'histoire d'un Spring qui va sur internet pour acheter les produits, mais au bout d'un moment, il se fait repérer par le CIA. Pourquoi? Et finalement, on lui dit que c'est parce qu'il doit payer ses frais de port. Alors déjà, toi, tu vas réveiller ce Pokémon-là. Qui a Manzai. Si je me souviens bien, c'est un Manzai. Voilà. Et on va pouvoir l'affronter. Hop. J'ai bien fait d'avoir un Pokémon dans ma... Allez. Parfait. Alors ensuite, on va pouvoir voir pas mal ta blague, en tout cas Nixon Fujiwara. Hein. Elle m'a bien fait rire spirituellement dans mon cerveau.
Allez, on va brûler la maison de Nixon pour la peine. Oh, attends, c'est déjà fait. Pour les 200 abonnés, je t'achète un Wellord. J'espère que chez toi, c'est grand. Ah oui, chez moi, c'est grand, hein, t'inquiète pas. Hein. Il y a la place dans la cave pour le mettre. Ah, hein. Oh, mon dieu. C'est l'histoire d'une... Voilà, c'est bien. Bravo, Pokémonster. Un abonné à vie, c'est cool. Oh, j'entends la batterie de ma chambre. Je ne sais pas si vous entendez la batterie, mais en tout cas, si vous l'entendez, c'est normal. This is my pipi. Oh non, pas ça. Oh non, c'est dans la vidéo de What's the Cat, ça. Le mec qui arrête pas de pisser partout, là. Le comme tout ça. Pipi. Pipi. Ce mec, c'est un glauque, quoi. Ranger, Ranger, aidez-moi s'il vous plaît. Depuis cette effroyable fête forêt, je n'ai pas revu Apitrini. Les Apitrini sont très gentils, ils se font pas de cadeaux, un peu de miel. Pourriez-vous m'amener un Apitrini? Bah oui, il y en avait un dans la forêt, attends. Bah oui, attends. Allez, on va aller chercher, tiens. Donc on va aller chercher... On va aller chercher un Apitrini. Donc normalement il y en avait de ce côté là. Si j'en trouve un déjà. Manzai, voyons voir ça. Ah non, je crois qu'il y a des Aspicaux. C'est des Aspicaux là-dedans. Ah non, je m'en fous d'Aspicaux. Attends, qu'est-ce qui se passe? Comme le C de Relilo 56. Coucou Cosmo. Salut Redox 48. Mon meilleur ami le fait tout le temps. Ça se fait pas d'insulter les autres abonnés, Mister Jaja. Mister Jaja, tu te calmes sinon ban. Mister Jaja, si tu as arrêté de spammer les commentaires et de regarder le live plus tôt, je te jure, ça vaut le coup. Merci Revilo56. Et c'est vrai que Mister Jaja, tu vas un peu trop loin dans tes propos, donc si tu veux pas que je te banne vraiment, là faut arrêter parce que là, sincèrement, ça se fait vraiment pas et voilà. Bon, moi je vais te bannir, hein, Mister Jaja, là y'en a marre. Hein. Sincèrement, là ça se fait pas, hein, ce que t'es en train de faire. Hein. Alors, attends. Ah mais attends, il faut que je voie comment faire pour bannir, attends, regardez. Alors attends. Je ne touche pas... Attends. Comment... Bannir... Personne... Sur... Un... Live... YouTube... Alors, comment bannir une personne sur YouTube? Je ne sais pas. Voyons, on fait une nouvelle vidéo. D'accord. Statix. Ah ouais, j'avais pas vu ça moi. Par contre, y a pas les. Ah, c'est dommage, y a pas les. On peut pas voir les ceux qui sont là. Pas. Alors Mister Jaja, si tu veux que je te banne pas, et bah t'arrêtes de insulter ou de dire des choses de propos comme ça. T'arrêtes parce que ça se fait vraiment pas, Mister Jaja. Je te jure, ça se fait pas. Ah bah y'a pas de quoi Redox 48. Refais le pipi, c'était trop énorme. Ah oui, comme tout ça, pipi. Pipi. Ah là là, merci Romain Augier. Vous êtes vraiment des abonnés super, sincèrement. Vous êtes vraiment des superbes abonnés, sincèrement. YouTube, c'est une aventure qui est vraiment énorme parce qu'on rencontre des personnes, on peut partager des choses vraiment bien, donc ça c'est génial. Et tiens, coucou, petit Apitrini, tu as eu peur de cet horrible feu? Tu vas me donner du miel, tu as toujours été si généreux. Merci bien, Ranger, avec ce miel, je vais pouvoir préparer les biscuits pour ma petite fille. Oh. Ok, on a rempli notre mission.
Ok, donc on va remporter encore une petite récompense. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons refait une mention, donc nous allons procéder à l'envoi de ta récompense. Donc c'est parti. Alors, regarde ça. Ok, donc là, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre quête dans les parages ou pas? Ouais, si tu peux faire ça, Romain Angier. Mais je pense que je vais bientôt arrêter le live là, parce qu'il y a le live de Spectre que j'ai envie de suivre, Ocarina of Time. Comme je suis un fan d'Ocarina of Time, enfin... J'ai bien envie de voir son let's play et de m'éclater un bon coup, quoi. Bah, toi, tu es un youtubeur super de la mort qui rêve. Merci. Je crois que ça va être un punch live de merci en ce moment, quoi. Mais de toute façon, on le dit jamais assez, donc... ça, c'est vrai. Alors, voyons voir ça. Ah, Gaswell, je suis content de te revoir. Angelo Rapper. Eh, hey, bon travail, vous deux. Ryan, tu en fais une tête. Sans plomb, je veux dire. Comme je l'ai dit dans le vocogramme, je suis déçu que ces 5 sales types de l'équipe Sombrero se soient enfuis. Le pire, c'est qu'ils aient réussi à emporter le dernier Gigalithèque. Ne sois pas si dur envers toi-même. Je n'en attendais pas tant d'un Ranger de deuxième année et d'un Moussaillon. Ce qui m'inquiète, c'est cette équipe Sombrero. Quel est leur but? Quoi qu'il en soit, bravo vous deux, mission accomplie. Le Froid-Froissant et Alex sont en train de démonter les Gigalithèques. Pardon, on dit Gigalithèque, pas Gigalithèque. Bref, ce que je voulais dire, c'est que ça compte dans la racine des gigas. Oui, comme les gigabits, comme les gigas... Comme les gigas... Non, je sais pas. La journée a dû être épuisante. Tu veux te reposer un peu? Ouais. Bon travail, continue comme ça. Le lendemain. Donc voyons voir ça. Alex a passé toute la nuit à démonter. Tu veux bien Skype juste après? Ouais, bien sûr, Pokémonster. Alex a passé toute la nuit à démonter le Gigalotoc. Hein, quoi? Gigalithèque? Pas Gigalotoc. Inutile d'être aussi pointu, c'est le plan d'ensemble qui compte. Giga Octaire. Voilà, merci Révélo. Ça me rappelle que Grosse Bertha a amené une tonne. Mais c'est quoi ce cliché, putain? Grosse Bertha, non mais sérieux quoi. Merde, mais c'est un jeu pour les jeunes, c'est un jeu pour les gosses. Arrêtez d'insulter les mêmes même Bertha quoi. Ça s'appelle Bertha, pas Grosse Bertha. Ou Forte Bertha, mais pas grosse quoi. Bertha a amené une tonne de flan en l'air. Mangez, mangez. Et devenez comme Bertha, quoi. C'est le... Oh, c'est le cadeau de notre écrémeux. Ça vous redonnera les forces. Oh, 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 oh. J'ai beaucoup mangé de ces flancs. Ce type préfère de dire le moindre mot. Mettez-lui une cuillère dans la bouche, ça suffira largement. Ça suffit, maintenant. On ne traite pas les gens comme ça. Il a l'air plus affamé que tous. Oh, rappelle-moi ton nom sans plomb. Sois sage et mange. Tiens, une cuillère pour papa. Alors, c'est pas délicieux. Voilà, encore une cuillère. Pas besoin de mâcher. Prends ton temps, n'en mets pas partout. Mange tout ce que tu veux. J'irai en rechercher, s'il le faut. Ah, je n'en mérite pas autant. Le feu de la forêt de VTR, ce feu... C'est ma faute, je suis maladroit, j'ai renversé l'essence de Gigalithèque. Il y en avait partout à ce moment-là, la machine a fait des étincelles, l'essence a pris feu, le feu s'est propagé. Je ne connais même pas ce type, j'en ai juste rencontré un il y a longtemps. Il m'a promis de l'argent facile, alors j'ai accepté. Je ne connaissais pas cette organisation, ni leur Gigalithèque, ni rien. Je suis désolé, tout est de ma faute, ni votre flanc en lait, c'est un délice. Comment va-t-il essuyer celle-là, on m'attachait comme ça? Cosmo, détache Champlon. La gentillesse de Grosse Bertha, elle me rappelle ma mère. Merci beaucoup, je pourrais être largué avec une bonne pizza. Grosse Bertha, l'épée de Minecraft.
Alors, tu finis quand? Je vais finir, bah là, je vais quasiment terminer pour aujourd'hui parce que je vais aller voir le live de Spectre sur Ocarina of Time. Tu dois défaire ces liens, je ne pense pas pouvoir le faire moi-même. Hop. Ça va être difficile à détacher une corde aussi serrée. Je vais essayer, moi aussi. Vous avez pas un canif? Tu dois bien en avoir quelque chose dans la boîte à outils pour couper ça. Oh non, pas Alex. Elle va le couper en 3 temps. Et voilà, la corde est coupée. Voire même déchiquetée. Bravo Alex, la reine du démontage. enfin libre. Pas la peine d'en faire autant. Ok tout le monde, la pause est terminée. Grosse Bertha, merci pour votre flanc en lait, déçu comme toujours. Quant à toi sans plomb, tu peux partir. Merci d'avoir parlé, maintenant nous savons que tu as été manipulé par une bande d'inconnus. Et cette bande d'inconnus commence à se faire parler d'elle. Leur nom, équipe Sombrero. J'aimerais que quelqu'un aille patrouiller dans les environs par précaution. Voyons voir. Cosmo, ce sera toi. Alors, Spectre a dit qu'il fallait appuyer sur le drapeau et après que c'était écrit bloqué, t'appuies dessus pour bannir. Ouais, mais il faut être sur le live. Le problème, c'est que si je vais sur le live, ça risque de faire double écho. Parce que là, les commentaires ne s'affichent même pas, donc ça, c'est un peu nul. C'est pour ça que je suis obligé de prendre un deuxième ordinateur, sinon je peux rien faire. Mais en tout cas, j'enregistre ça. On va sauvegarder une deuxième fois parce que j'ai pas vérifié. Et voilà, donc c'est sur ces mots qu'on va arrêter pour ce live. Donc là, demain, vous aurez l'épisode... alors, là, tout de suite, je vais mettre l'épisode de la rediff live Pokémon Donjon Mystère. Donc déjà, vous aurez ça aujourd'hui. Normalement, la rediffusion de Pokémon Ranger Nuit Almea, vous l'aurez demain. Vous aurez aussi demain l'épisode de Dream Team Bros. Et comme d'habitude, samedi, les combats VS abonnés Smash Bros à 15h. Et dimanche, le Poker Active à 15h. 15h ou à 15h30, ça dépendra d'à quelle heure j'aurai fini de manger. En tout cas, moi je vais aller voir le live de Spectre parce que je suis impatient de voir Ocarina of Time. Sérieux? Oh, j'ai raté ça! Non! Non, il faut que j'aille voir! Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se donne rendez-vous samedi pour les combats VS abonnés à Smash Bros. Donc, à samedi et salut tout le monde!